Donc une vidéo de la famille des vœux de Baba. Vous avez en collier rose, en collier vert et en collier jaune les femelles et en collier bleu le mâle. Voilà. Ah, et vous avez Nolan qui joue avec les chiots. Donc ils ont une évolution logique. Pour l'instant, ce ne sont pas des gros formats. Et vous avez sur la petite au collier rose qui s'appelle une vie heureuse et la petite au collier vert qui s'appelle une chanson douce, encore les traces du pelage de bébé. Voilà, cette couleur là que vous voyez sur son dos. Ce brun va disparaître progressivement pour laisser la place au sable que vous voyez déjà sur la tête et sur ses pattes. Voilà, elle est bien vive. Tu fais le tour de ma mère. Voilà, oui ma belle. Voir ton joli minois. Petit modèle, mais très jolie cette petite tête. Voilà. Ici, un rêve bleu, le mâle. Un peu plus fort, déjà plus avancé dans sa couleur. Et là, jouant avec Nolan, vous avez la petite femelle qui se gratte, là, qui déteste le collier. Ma choupette. Voilà. Cette petite puce, cette belle puce, est-elle aussi avancée au niveau de la couleur? Voilà. Et son nom, c'est une pure joie. Ou une joie pure. En tout cas, elle est joyeuse. Ah, décidément, ce collier ne plaît à personne. Les jouets qui font du bruit leur plaisent beaucoup. Regardez cette attaque de molosse. Ici, vous avez le panier qui leur plaît beaucoup avec des grands poils. Ils adorent se lever dedans, bien sûr, quand ils ont fini de jouer. Ce qui n'est pas le cas là. Pour l'instant, ils me dévorent les doigts et ils jouent avec Nolan. Devant la petite rose, vous avez une corne de cerf. C'est ce que je vous recommande pour les aider à faire tomber leurs dents définitives, leurs dents de lait, pardon, pour laisser pousser les dents définitives, bien travailler leurs gencives, que ça leur fasse le moins de mal possible et que ça sauve vos meubles. Voilà. Tu veux les rappeler qu'ils viennent devant la caméra plutôt qu'à moi? Voilà. Donc vous avez entendu le claquement de langue, c'est le signal de rappel chez nous. Vous pourrez continuer à l'utiliser chez vous et aussi utiliser des signaux qui vous appartiennent. Personnellement, je siffle très très mal, donc j'utilise le claquement de langue. Voilà. Voilà. On va essayer de faire des photos, mais c'est pas gagné. Mais on va essayer. Voilà.